l'équipe est excellente. Là, on est dans les loges, là, donc c'est Audra et Antonin qui en sont les responsables. Ils se débrouillent, ils me demandent pratiquement jamais rien. Chacun connaît son boulot et puis le fait très bien. Une super équipe d'une, on est combien, une quinzaine de personnes on en est tout. 15. Quinzaine de personnes. Donc La journée commence à 9h. Voilà. On commence à accueillir les artistes vers 11h. 11h30. Et le repas du midi, faut les occuper l'après-midi. Enfin, faut qu'ils puissent s'occuper l'après-midi et puis après le repas du soir. Voilà. On a les techniciens de petit déjeuner maintenant. Ça fait 90 personnes à gérer dans la journée. Gérer dans la journée. On essaye d'être de plus en plus performant, je dirais. Vous avez pu remarquer qu'on a un stand bénévole qui justement est là pour le confort des fameux bénévoles. Quand ils ont soif ou faim, ils viennent se restaurer là. Il y a toujours des gens à disposition pour leur donner ce qu'ils veulent. Au niveau des festivaliers, à la sortie, il y aura une équipe de 15 personnes qui sera là pour gérer toutes les sorties de festivaliers. Donc en fait, à partir de minuit jusqu'à midi, il y aura une équipe de 15 personnes qui verront si le gars est apte à partir ou pas. On aura à leur disposition des éthiotests et on aura des véhicules pour les ramener s'ils veulent se faire ramener ou si on constate qu'ils ne pourront pas partir, quoi. Chapeau les bénévoles, sans eux, il n'y aurait pas de festi-rock déjà, ça c'est sûr. Par contre, je suis toujours agréablement surpris de voir tout le temps et l'énergie qu'ils donnent pour ce jour-là, quoi. Ils comptent vraiment pas leur temps ni leur énergie, quoi. Donc merci à eux surtout. Bilan très positif. Ouais. Tout le monde est content. Voilà. Et on est prêt à recommencer l'an prochain.